Bonjour à tous, troisième épisode. Bonjour. 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 Hey. C'est la merde. Ouais. C'est la merde, enfin, c'est la merde pour eux. Bah moi encore ça va, j'ai perdu à peine 2 PV, donc ça va. Moi j'ai à peine 2 PV, oui mais il me reste 2 PV, c'est pas pareil. Et Fanax, tu savais très bien que tu m'aurais dit non, tu n'as pas la map, tu n'y serais pas allé. Je l'avais, je pouvais pas mentir. Oui mais tu m'aurais menti, et ça se serait bien passé pour ton scénario. Oui. Tu m'as dit la vérité. Ça va mal se passer pour vous, pas forcément pour mon scénario, vous allez mourir. Oui mais non, tu vas toujours trouver un moyen de nous nous... Troisième épisode, vous êtes mort. Et donc... cette série va durer 3 épisodes. C'est bien. Non. Allez. Et donc, allez, vas-y, c'était à qui de jouer? C'était à qui de jouer du coup? Très bien, donc Je crois que c'est à Volker. Bah, moi de ce que je me souviens, c'est qu'il y avait Frost qui se ramasse en coup de dague alors. Oui oui, c'est voilà. Frost, non c'est Spirit Wolf qui apparaît, le dernier action, donc c'est à Volker. Non, Spirit Wolf. C'est à moi. Pourquoi je lance mon sort de soin? C'est à Spiritus. Mais non, Spiritus il a joué en premier, Volker il a toujours pas joué son deuxième tour. Un parade c'est pas un tour. Une parade, non mais il a joué avant. Ah oui non, c'est bon, c'est à lui. Si, en fait, je viens de me rendre compte, c'est à lui. Donc c'est à qui, c'est à Spirit. On pourrait faire une attaque de zone sur ici pour tenter d'écarter les deux autres. Ok. Donc tu tentes d'en frapper deux à la fois avec ta patte. Voilà. Pour les écarter le plus possible. 36, ça passe. 36, très bien. Et tu fais un D6. 6. Bitch. 84. Les minorités à Paris. 6, ça fait 8, très bien. Donc tu frappes les deux d'un puissant coup de patte. Les deux retombent en arrière, sanguinolent, le ventre déchiré. Même pas mal. Si, un peu. Et violent. Si, quand même. Relativement violent. Le lézard en particulier a le torse quasiment arraché. Allez. Oh, Kino, c'est bon, je l'ai buté. Mais non, j'en ai besoin, c'est pour mes expériences. J'ai envie de dire, là, faut prendre un screenshot, l'envoyer à CLB. On l'a tué, César. On l'a presque tué, en un coup. Non, c'est bon. Il verra la vidéo. Il verra la vidéo. Par contre, les gars, gardez mon cadavre. Gardez le cadavre, parce que les gars, mon cadavre aussi, si je meurs. Ouais, mais pour les expériences. Et puis, si jamais je meurs, gardez mon cadavre pour le manger. Kino, ok. Mais, vu qu'il a mis son bouclier bien en évidence. Ouais, c'est Le feu, tu l'as pas fait s'étendre. J'insiste avec ce feu, hein. Je veux qu'il enflamme tout. Tout doit disparaître. Oui, monsieur. Mon psychopathe. Voilà, à toi. Et du coup, vu qu'il a mis son bouclier bien en évidence, je lui lance un éclair dans la face. Très bien, un éclair mis en bois. Hein. Oh, ça passe quand même. Vas-y. J'ai lancé mon dessin ou il est pas passé? Il est pas passé. 5. Ouh. C'est pas une réussite critique. Non, c'est une réussite critique. Ah bah, musique, maestro. Tellement. Maestro, musique. Et donc, tu lances un sort. Il n'a absolument aucune chance d'y échapper. Tu le frappes en pleine tête. D'ailleurs, je perds bien mes 4 points de mana ou j'en perds moins? Tu perds que 2 points de mana. Et tu lances un D6. Ce que vous entendez en ce moment, c'est son jingle de réussite critique. Ah oui, d'ailleurs, je vais augmenter le son pour vous. Très bien, donc tu lui lances un éclair en pleine tête, il est projeté dans les tentes, et il ne bouge plus. One shot. La violence. Et il est dans les flammes, ce qui équivaut un peu à un one shot. Il est pas un peu pété là, au Kino? Je tiens à le rappeler qu'en plus il y a un prêtre derrière lui pour le soigner, alors là. Au Kino pour l'instant est posé. Easy game. Ouais. Reste dans le game. Très bien. Pendant ce temps là, l'autre bandit lui a commencé à frotter un petit peu son armure pour le débarrasser des quelques flammes qui commençaient à le lécher et il se dirige vers toi furieux. Apparemment, il n'apprend pas de ses erreurs. Ses compagnons. À toi, Frost. Bah, moi, déjà, je fais... Déjà, pour la première part. Donc, Frost, voilà. Toi, ton ventre est quasiment ouvert. Tu es en très mauvaise posture. Et il y a un guerrier qui se rue vers toi avec son épée. Dégage. Bah, déjà, il y a toujours l'archer devant moi. Tu dégages. Il faudra que tu fuis. Ouais, j'ai envie de dire à la Frost par toi, parce que là, tu vas te faire défoncer. Si, tu peux.
Si, si, tu peux. Planque-toi derrière Spiritus. Ton ennemi n'est pas pour arriver. Planque derrière moi. Est-ce que du coup je pourrais peut-être arriver près du guerrier là où bah, tu sais qui est en train de ruer, qui est en train de se ruer vers moi? Non, casse-toi. Frost, fais pas ça, mec, tu vas te faire niquer. Frost, un conseil, émite les elfes, sois une tapette. Voilà. Et je lui mets un coup dans les boules. Message pour Madiane. Non, franchement, casse-toi. Ouais, dans l'état où t'es, Frost, la moindre erreur te serait fatale. Très bien, donc tu te caches. Fais pas le con là. Ah oui, je me casse derrière. Donc ça te demande pas de test parce que tu n'es pas au corps à corps. Hein. L'archère t'a simplement donné un coup de couteau et puis arrêté de t'attaquer puisqu'elle aussi est gravement blessée et l'autre guerrier n'est pas encore à ton niveau. Donc tu recules prudemment. Et l'archère est toujours en vie. Très bien. Quant à toi, Volker, tu... Moi c'est simple, je lance mon sort de soin. Ok, pas de problème. Donc un des 6... descend d'abord, descend. Oui, descend d'abord et décide. 46, ça passe. 40. Et le 2 de 6, c'est ça? Ça passe aisément. Et il a pas. Il a un bonus ou pas? Très bien. Donc c'est un bonus. Oui, bah il a pas de bonus en termes de guérison. Donc ça me fait plus 4, ce qui fait que je suis quasiment full life. Donc ouais, 4 et tu perds 4 points d'énergie, toi, Volker. D'accord. Par contre, tu commences à être assez... Faut faire un gaffe aussi, Quinio, parce que tu commences à être court d'énergie, notamment. Oh, j'en ai 11, j'ai de quoi lancer encore 2 sorts. Ouais. Et ça me suffira à les achever, ces deux-là. Ouais, on est bien. Sachant qu'il y en a un qui est un peu en train de brûler. Voilà. Lui, il est mort parce que je lui ai fait one shot dans la gueule. Hein. Et donc, vous voyez qu'il est en train de prendre feu, et manifestement, il a du mal à s'en sortir. Ah. Très bien. Donc à cet instant, l'autre guerrier en armure de cuir fonce vers toi et t'assène un énorme coup. Il a l'air vraiment enragé. Vas-y, fais son test. Crois-tu que je fais? Allez, russe critique. 99. T'as pas un jingle pour les échecs critiques des ennemis? Non mais vous êtes sérieux? Mes PNJ. J'ai pas mes PNJ. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Un petit coup de bâton dans la tête, juste pour le fun. Youhou! C'est le troll. Très bien. Donc le guerrier s'élance vers toi. Il a oublié toute prudence. Il fonce vraiment à fond les ballons. Et là, soudain, il y a un caillou qu'il n'a pas remarqué. Un caillou sur le coup. Il trébuche dessus. Il essaie de tendre son épée pour se réceptionner. Il tend ses bras en avant et il s'empale sur sa propre épée. Le con! Moi je l'ai trouvé les vieux donjons et dragons. Oh, il prie, il a de la chance, il ne s'inflige que 3 points de dégâts lui-même. Alors qu'il vient de se faire transpercer. Voilà, donc il s'est enfoncé sur le côté du ventre. Il est étalé par terre dans une mare de sang. Et il a pas l'air de se relever dans l'immédiat. T'as besoin d'aide? Je peux te soigner si tu veux. 99. La compétence de ce guerrier, c'est affligeant. Pire que moi. Ah oui, non, encore pire. Hein. C'est n'importe quoi. Là, on dépasse. Hein. Là, il y a la violence, là. Hein. C'est juste hallucinant. Et donc, pendant ce temps-là, la vie suit son cours, hein, malgré cet énorme fail. Toi, Spiritus, tu as porté un énorme coup à ceux qui sont aux soldats qui sont devant toi. Le lézard, lui, il est sur le côté en train de gémir de façon assez pitoyable. Et l'autre est en arrière en train d'essayer de se relever, appuyé sur son épée. Mais il y en a d'autres sur les côtés qui t'attaquent immédiatement. C'est les plus dangereux, celui-là et celui-là. Et là, l'archère est en train de fouiller, maladroitement en train d'essayer de trouver une flèche. Simplement, elle n'est pas si anéantie que ça. On se demande. Très bien, 90. Donc, l'ennemi qui est situé le plus à ta gauche, celui qui est habillé en vert, donc lance. D'asséner un coup. Mais il passe totalement à côté et il ne fait que couper de l'herbe. Comme Link. Et c'est Link. Je le répète. La compétence de ses ennemis. C'est Deo Link. 28. Ça arrive, c'est pas la même chose. Le deuxième, celui donc qui est habillé en brun, lui frappe puissamment et tente de te toucher au côté. Tu peux essayer de parer. Ouais, parade, c'est parti. 89. Aïe. Très bien. C'est pas terrible. Et donc il porte le coup sans difficulté
et t'enfonce son épée apparemment dans les côtes. Entre les côtes. Tu t'en fous un peu. Tu t'en fous un peu, c'est le temps. T'es le temps que tu t'en fous un peu, ça te fait presque rien. Tu es très résistant, mais tu ne pourras pas tenir éternellement. Oui, c'est ça, monsieur. Les dés sont truqués. Y'a que des échecs. J'avoue. Tu crois quoi, moi, j'ai plus ma vie, mec. Hein. Donc, Okino, toi, tu es devant un ennemi qui est étalé par terre. Que fais-tu? Je sors une de mes dagues foudroyées et je lui plante. Littéralement dans la tête. Très bien, parce que tu avais tes dagues chargées à l'électricité. Essaye de ne pas te la planter cette fois. Donc, un descend. Ouais, un test d'adresse. Oh, qu'il s'en fiche un peu, il y a le méchant derrière. Je crois que ça passe légèrement. 48, 46, ça m'affiche passe. Adresse, j'ai 40, mais j'ai 40. Aïe, est-ce que j'ai un bonus? Ça m'étonnerait. Mais ce mec, il est au sol, hein, je te rappelle. Hein. Il bouge pas. Bon, très bien, je t'accorde un bonus de 20, puisqu'évidemment, il est au sol. Et donc, moi, j'ai juste à lui planter la deck sur la tête. Donc, fais-moi un lancer de D6. Par contre, mec, il le lâche sans faire exprès. Merde, je l'ai tué. 3. 3. Il a foudre, ça te donne un bonus de combien? À mon avis, il est mort. Hein. Oui. Même pas le temps de donner un petit coup de bâton. c'est de tellement fake. Il est déçu. Sa vie est un échec. Bah dans ce cas, un échec après. Hein. Exactement. Bah, ça me fait. Je foudre, normalement, ça me fait plus un dégât à chaque sort de foudre. Donc ouais, ça fait 4 de dégâts. Donc il doit mourir, logiquement. Très bien. Et il n'est pas encore mort. Ah, bah, je te le laisse. Tu lui donnes un coup dans le dos. Là, il frémit et commence à s'immobiliser. Il ne respire quasiment plus, mais il n'est pas encore mort. Et lui, qu'est-ce qu'il devient? Oh, lui, il est en train de brûler. Et puis, vous sentez une odeur absolument horrible de chair brûlée. Apparemment, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est moi qui ai l'odorat. J'avais dit qu'il allait finir en popcorn. Et d'ailleurs, je commence aussi à me déplacer. C'est moi qui ai l'odorat plus développé. Je commence à me déplacer. Comment vous vous en sortez? Vous êtes... Ça sent le mouton, c'est normal. Je commence à me déplacer par là pour aller les aider. Ouais, ouais. Bon, et je te laisse le plaisir de l'achever avec un simple coup de bâton. Donc, Franz, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu restes encore? Bah, déjà, j'étais. Bois une potion. Cours, continue à courir, bois une potion. Ouais, j'ai pas de potion. Essaye de te rapprocher de ça. J'ai des potions. Ah, bah, j'ai des potions. Tu as une potion, ouais. Quelque chose comme. Et non, tu n'as pas de potion. Bah sur non, toi, il en a pas, merde. Ah bah non. Mais là, de toute façon, j'étais caché derrière Spirit, non? Oui, mais continue de courir. Tu crains pas grand chose. Continue de courir. Tu continues de courir, mais en même temps, il y avait pas. Casse-toi, éloigne-toi le plus possible. Là, tu te sens vraiment très très mal, donc tu aimerais plutôt te poser au calme, j'imagine. Bah là, y a pas un guerrier là. Viens ici. Viens ici. Non, y a plus personne parce que le guerrier s'est jeté sur Spirit au final. Ah bah. Cours par là parce qu'il y a Volker. Cours par là parce qu'il y a Volker. Donc tu recules. Est-ce qu'il reste une parcelle de tente qui est pas encore enflammée? Toutes les tentes sont enflammées. De toute façon, en fait, si tu recules, tu t'éloignes des tentes, tu vas dans la forêt. Viens par ici. Viens là où je ping. Je sais pas en fait où t'es. Donc. Non, mais en fait, je suis à côté avec Volker. Fanax, déplace-le plutôt par là. Ah bah ouais, je veux bien aller à côté de Volker pour qu'il me soigne. Okay. Ouais. Donc tu te déplaces par là. Moi très encore, lentement, ça va, évidemment. Je suis vraiment blessé. Volker, quant à toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'approche du pauvre blessé et j'ai pitié de lui, je lui assène le plus gros coup de bâton que je peux dans la tête. Mec, il fait une partie de golf. Tu plantes le bout du bâton dans le crâne comme ça. Je veux bien la réussite critique. Ce serait Gondal, magique. Quand il prend son bâton et qu'il le pose en disant vous ne passerez pas, enfin je fais pareil mais je lui plante dans le crâne. Oh non, au pire, allez, on voit. Mais j'ai le mec, tu fais une partie de golf. Tout. Oh non, 90. Et t'as loupé, tu t'es retombé sur ton bateau. Non mais, est-ce que t'es fucking serious? Bon d'accord. C'est quoi, très bien. Okay. Donc, musique, donc, musique, regardes, musique. Oh évidemment, la musique. La musique, t'en as pas d'échec critique toi, donc je vais te mettre la meilleure. Si, t'as trop lolo. Si j'en ai une. Ah bon? Bah oui. Mais non, t'as une réussite critique. Non, c'est j'ai ma critique et j'ai mon échec aussi. Bah je l'ai pas pris en tout cas. Bah, si, pas grave. Avec I like to move it. Effectivement. Ah oui. Ah oui. Voilà, un nain qui chante ça. Imaginez un peu. Donc très bien, donc tu regardes le mourant avec un profond air de pitié et tu dis il faut que je l'achève, il faut que je le fasse. Mais là tu le fais pas.
Mais en toi-même, tu as vraiment envie de le guérir, ce pauvre homme. Oh non. Non, je soigne. Et donc, tu donnes un coup de bâton, mais la conviction n'y est pas, et soudain tu sens ton pouvoir en quelque sorte qui t'échappe, qui est canalisé dans le bâton, et tu es soudain vidé de toute ton énergie, et tu vois l'homme qui relève lentement la tête. De quoi ? Il a encore l'épée qui lui transperce le corps, précisons, hein. Bonsoir. Juste je vous dis au revoir, c'était le guerrier. Hop. Bah alors ? Merci. Hop. Ah, et il faut lui retirer sa mana. Voilà. Et très bien, donc l'homme se relève, a l'air vraiment très très troublé et commence à reculer prudemment parce qu'il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Que vous WTF ? Qu'est-ce que vous faites ? Volker. Et donc, au cœur de ta grande consternation, Volker devint Dark Vador. Maintenant on l'appelle un vodka. Je vais l'appeler vodka maintenant. J'ai juste une question. Est-ce que je peux lui adresser 2-3 mots à cet ennemi? Ouais, pas de problème. Fais un test de social pour essayer de l'allier à notre cause. C'était un peu l'idée en fait. Bien, donc tu peux faire un test de social si tu veux lui dire quelque chose. T'auras de l'argent. C'est un dé de 100, c'est ça? Ouais. Oui, toujours. Vas-y. Oh, yes. Oh, ça passe. 15. Très bien. Et qu'est-ce que tu lui dis? Donc, rejoins notre cause si tu ne veux pas mourir. Non, ouais, c'est ça. Non, je ne peux pas ôter la vie de quelqu'un qui n'a encore fait de mal. Ah oui, c'est sûr, alors, il m'a rien fait lui au final. Mec, pas trop prêtre, tu sais. Oui. Alors aide-nous et tu te verras gracié de toutes tes idées. T'auras de la money, t'auras la YouTube money. Et donc, l'homme te regarde. Troublé, il ne sait plus trop quoi penser. Et il me regarde derrière, il me voit derrière en train de courir. Pourtant, il a l'air convaincu, puisque tu viens de gaspiller la moitié de tes énergie pour le sauver d'une mort certaine. Il était sur le point de mourir. Il regarde et il dit Je vous remercie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon. Mais comment pouvez-vous être aussi bon si vous alliez avec des loups-garous? Oh, on n'est pas tous mauvais, connard. Il était élevé par des marchands, merde! Non, je lui dis que toute chose a le droit de vivre, car toute chose a sa pensée propre. Je crois que je dois y réfléchir. Je suis là! Écoutez, je vais m'éloigner un peu et on oublie ce qui s'est passé, d'accord? Pas en paix. Et il recule lentement. C'est tellement cliché. Non, je déconne. Et pendant ce temps-là, l'autre est en train de mourir. Et le feu, il se propage. Il se propage par ici, le feu. Le feu a plus ou moins arrêté de se propager. Dommage. Il en restait deux. Un peu par là, mais c'est là. 3, 4. Il restait 4 tentes. Dommage. Très bien. Mais je vais les brûler. Mais ça nous fait. Vous avez dit qu'il n'y avait plus de tentes. Cet échec critique était trop mignon. Un échec critique positif. Qui aurait pu y croire? C'est la première fois que ça arrive. Ouais, si t'avais raté ton test de social, ça aurait pas été positif, il t'aurait éventé. Ouais. J'ai hésité à te faire te tuer avec un sort de mort. Mais... Oh non. Pas déconner, non. Donc très bien. L'archère, elle, a encoché une flèche. Elle s'apprête à t'attaquer, mais. Elle s'arrête un petit peu, Spiritus, puisqu'elle voit que le lézard se traîne vers toi et que un de ses compagnons essaie de te porter un coup d'épée. Il tente de te frapper à la tête. Parade. Ils sont maintenant 5. Elle lui met un gros coup de coude dans et tu lui mets un gros coup de coude dans le bide. Passe, non, 70. Très bien. Donc tu te relèves légèrement avec une facilité désinvolte et le coup manque. Il doit avoir 60 en caractéristiques. Très bien, et donc l'homme en vert qui est situé sur ta gauche, lui tente pendant que tu peux l'appeler Link, hein, tu sais, Fanax. 23, oh c'est Link, hein. Parade. Éventuellement. Non mais parade, j'en fous, 46, ça passe. Non, les valeurs de pardon étaient ajustées pour réduire la durée des combats, lol. Donc tu ne réussis pas à parer puisque tu es beaucoup trop distrait avec tous ces ennemis qui pullulent autour de toi et il t'enfonce lui aussi son épée dans le côté. 2. Ça va. 4. Ça va. Ça passe. Rien qui soit vraiment effrayant,
sang, mais tu commences quand même à perdre une certaine quantité de sang. Et c'est à toi. Eh ben, est-ce que c'est possible, franchement, de refaire une attaque de zone sur tous ceux qui sont autour de moi? Faire un rugissement qui les effraierait. J'ai une compétence, je crois, intimidation. Rugissement, oh mon dieu. Tenter de les effrayer. Avec du social. Ouais. Moi, mais pas. Je suis un méchant. 65. Ok, je suis quasiment sûr que ça passe. Tu as 10 défends. 15. N'ayez pas chanté 2 secondes, s'il vous plaît. Le Cathy s'attend. Voilà, donc oui, ça passe ou pas? Ouais. Donc tu hurles violemment. Tu te dresses sur tes pattes arrière, tu fais un véritable hurlement de loup. Le reptile émet de petits gémissements absolument pitoyables et il se roule en boule par terre. Pendant que les autres. Ce n'était pas un lézard, c'était un tatou. Recule lentement, redoutant un accès de furie de ta part. Tous les autres sont en position fœtale. On dirait moi. Là, l'archère a les yeux complètement écarquillés, elle te regarde comme ça. Copain, on oublie tout ça. On se connaît, entre nous. Hein. Laisse-moi la visseuse. Il y a l'autre qui va à son Frost, étang. Donc Frost, est-ce que tu continues de te diriger donc vers Valkyr hein. Parce que là j'y suis toujours pas. Depuis le temps tu y es si tu continues de faire ça, oui. Donc là je suis à côté de Vodka. De Volker. Hey. Oh non, je t'appelle comme ça, je m'en fous. D'accord. Hey, tu sais que la Vodka là, elle a sauvé une vie, alors c'est pas possible. Alors ensuite, je tue le mec qui l'a sauvé. Non. Et tu fais ça, là, c'est moi qui arrive par derrière et coupe le bâton dans le cul. Déjà, ou sinon tu vas me soigner tellement t'auras pitié de moi. Est-ce que je suis à côté du lézard ou pas? Non, du coup, tu es totalement. Parce que Volker et Okino sont totalement à l'opposé. Oui, est-ce que je pourrais essayer de balancer un couteau de lancer sur l'archère? Okino Okino et Volker ils sont totalement à l'écart des combats avec un seul soldat qui est en train de mourir en brûlant. En gros, donc, il y a vraiment d'ennemis. Tu vois une horloge? Tu vois une montre? Non, t'es un petit peu éventré, Frost, donc tout ce que tu devrais faire là c'est demander un soin. Et pour te placer, attends, juste pour placer Frost, tu vois une montre? Le nord c'est midi, le sud c'est 6h, nous on est à midi, eux ils doivent être vers 9h. Donc tu peux pas les atteindre. Les autres. Ok, je demande à Vodka. Je crois qu'on l'a même pas précisé, mais il nous a pas en visuel. Oui. On l'a précisé, donc, c'est. Je vais lui demander. Donne-moi un connard. Voilà. Gentiment. Moi je vois ce mec qui commence à s'extirper des flammes. Je vois ce mec qui commence à s'extirper. Tout en courant, je lui lance une dague. Ma dague électrique. La violence. Je lui lance ma dague électrique. Le mec a pas de respect. Ok, donc fais-moi un test d'adresse. Le mec, il le loupe, tu sais, et en fait... Très bien. Il fait pas de test de parade, il est en train de hurler parce qu'il est complètement en feu. Et donc tu lui lances un D6. Un D6. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il est mort, il doit y rester un P4. Donc très bien, donc il est en feu, il court partout, il est sur le point de s'effondrer, mais toi comme tu es un peu sadique, tu lui lances une dague en pleine poire et il tombe dans la tente en feu qui s'effondre. Oh mon dieu. Vous venez de tuer votre premier ennemi. Désolé, moi je dis pas tuer, je dis massacrer et humilier. Très bien. Pendant que l'autre, lui, est humilié et s'en va. Volker, c'est à toi. Soigne-moi, connard. Non, gentiment, s'il te plaît, hein. S'il te plaît, tu peux me soigner, connard. Hey. De toute façon, c'était mon idée, je le vois. Je m'apitoie sur son sort. Je lui lance un sort de son. En fait, tu t'apitoies sur le sort de tout le monde. Je suis un prêtre, mon but est... Ah, c'est un prêtre, hein. Hey, on doit arrêter la vidéo. Ça va être fini, là. 20 minutes. Donc, attends un peu. Donc, tu poses la main sur sa blessure et tu commences à charger le sort de guérison qui prendra effet au prochain tour. D'accord. Et donc c'est ainsi qu'on achève. Et ouais. Oui, sur le dénouement prochain de la bataille, j'espère. Bye tout le monde. Allez, et au revoir. Au revoir. Salut.